Mes frérots, mais bien tous sur les scènes. L'unique Zorox. Mes frérots, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien de votre vie, les gars. Moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo Fortnite, les gars, malgré que mon jeu bug à mort. Parce que le jeu bug, mais le lobby, non. Et vu qu'en plus, vous voulez du Fortnite mobile et tout, je me suis dit, impeccable, c'est le moment de faire la présentation de la box. Vu que la saison 8, c'est dans 4 jours, quand vous verrez cette vidéo, ce sera peut-être un petit peu plus proche encore. Et du coup, les gars, je vais vous montrer ma box qui est, je vous rappelle, totalement free-to-play. Moi, personnellement, j'ai mis 0€ dedans. Juste avant, les gars, je veux vous montrer les personnes qui m'ont ajouté en ami. Et je veux savoir parmi vous, vous me dites dans les commentaires qui vous êtes, si jamais je ne vous ai pas ajouté là, si vous voyez votre pseudo, pour que je vous ajoute. Parce que j'aime pas ajouter des anglais, après ça fait des gens qui sont même pas abonnés, qui m'invitent ou quoi. Donc allez, je vous passe ça, vite fait, comme ça. Vous regardez, vous me dites. Là, du coup, les gars, je pense que vous avez tous vu la dernière vidéo, mais pour ceux qui savent toujours pas, s'il n'y a pas de contenu Fortnite mobile, les gars, c'est parce que mon jeu est absolument injouable, mais vous pouvez même pas imaginer le bordel que c'est. La caméra, c'est des mini-freeze non-stop chaque milliseconde, les gars, c'est insupportable, je peux rien faire. Du coup, dès que ce sera réglé, dès que ce sera bon, peut-être à la prochaine match, à la match de la saison 8, ça passera. Et bien, peut-être que là, à ce moment-là, je pourrais reprendre du contenu Fortnite mobile. Mais du coup, pour le moment, c'est pas possible. C'est pour ça que du coup, cette vidéo aussi, elle me permet un petit peu de faire durer le truc malgré tout. Et sinon, il y aura du Dokkan où j'essaierai de me démerder. Je vais vous faire des montages de kills si jamais ça continue de durer. Mais je pense que ça va bientôt s'arrêter quand même. Là, je pense avec la prochaine match, ça devrait aller. Du coup, les gars, maintenant, je vais vous présenter ma box. On va commencer par les petits trucs un peu moins intéressants, tu vois, comme ça, on fait durer le suspense. Donc, ma box, la première vidéo, vraiment, il n'y avait quasiment rien. C'était juste, en fait, le pass de combat qu'un abonné m'avait acheté. Il a maintenant une chaîne YouTube, si jamais ça vous intéresse. Imperion TV, elle s'appelle. Voilà, si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Voilà, les gars. Et là, du coup, entre-temps, ça a vachement évolué. Il y a un autre abonné qui s'appelle Alex. Gros merci à Alex, qui, lui, m'a fait masse de... qui m'a acheté masse de V-Bucks, pas mal du tout. Mais du coup, les gars, allez, on regarde un peu, je vous expliquerai ça plus en détail. Donc voilà, chair de poule, disco, festif, au perché. Et celui-là, ouais, que j'aime bien, l'original, en remix. Je l'ai laissé longtemps, mais le twist, j'aime beaucoup. Et c'est le twist, là, que j'ai laissé, du coup. L'original, c'est vraiment la musique de base de Fortnite, au tout début. Je l'aimais beaucoup, cette musique. Ensuite, vite fait, les icônes de barrière, voilà, si ça vous intéresse. Petites icônes. Je trouve le plus stylé, c'est celui que j'ai mis. Donc le truc, là, que vous voyez ici. Merde, ça a bugué. Ok. Que vous voyez là. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre de stylé? Celui-là, il est pas trop mal, mais bon, c'est des personnages, donc il vaut mieux avoir le personnage en question. Voilà, voilà, les gars. Bon, c'est pas le plus intéressant, donc ça, c'est vraiment vite fait. Les couleurs, là, les trucs, ça, c'est stylé. Alors, le quad, moi, j'ai mis en rose, parce que voilà, un peu pour troller, mais ouais, c'est pas très beau, on va pas se mentir. Non, je veux pas mettre ça, par contre. Donc voilà, il y a rose, rouge, stylé, vert, hop. Je vais vous dire à chaque fois peut-être ce que je préfère, tu vois, comme ça la vidéo est un peu plus intéressante. Parce que moi, personnellement, c'est pas des vidéos qui m'intéressent de ouf, les présentations de box, mais je sais que vous, ça vous intéresse. Moi, franchement, mon préféré, bah, en fait, mon préféré, c'est celui-là, vraiment, pour troller, je trouve il va bien. Sinon, le rouge, il est assez stylé. Le doré, un peu comme ça, j'aime bien aussi. Ouais, j'aime bien. Mais je vais laisser le rose. Le rose, la couleur des hommes, viril. Ensuite, on a du coup, voilà, pour les armes comme ça, les fusils d'assaut. Je trouve celui-là, c'est le plus stylé, un peu doré. Je crois que c'est Disco, il s'appelle. J'aime beaucoup. Ouais, c'est Disco, c'est ça. Donc, Saint-Valentin, non, là, quand même, il faut un truc un peu plus viril pour les armes comme ça. Bleu métallisé, c'est pas mon délire. Rouge, je l'avais laissé, le rouge. Non, franchement, le mieux, moi, je trouve, c'est celui-là. Je le préfère large. Celui-là, il est pas mal aussi, mais je préfère celui-là. Ensuite, on accélère, les gars, quand même, parce que je sais que ce qui vous intéresse le plus, c'est les skins et tout ça, les gars, on va pas se mentir. Oh, le pompe en vrai avec les petits cœurs, c'est mignon, j'aime bien. Mais je vais laisser rouge. Le pompe, je sais pas, j'aime bien le laisser toujours rouge. Par contre, celui-là, franchement, c'est vraiment le truc que je trouve dégueulasse, quoi que ce soit, n'importe quelle arme que ce soit. Allez, je laisse le rouge. Ensuite, là, les petites PM, voilà, j'aime bien les petites couleurs un peu dorées comme ça. Les cœurs, ils me font délirer en vrai, c'est tellement bon pour troller. Ah, celui-là, le sniper en métallisé comme ça, comment ça s'appelle hein, ce truc? C'est carbone et dorure. Franchement, c'est stylé, j'aime bien comme ça. Le rouge aussi, au début je l'avais mis, j'aime bien. Moi c'est mes couleurs préférées, le doré, le rouge un peu, c'est mon délire. Et le bourlingueur au truc disco comme ça, c'est stylé, on aime bien les gars. Allez on enchaîne, on va maintenant avec les petits trucs comme ça. Arrêtez de m'inviter, putain, je peux même pas appuyer du coup. Donc le palais givré, hop, le ballon royal.
Alors là, qu'est-ce que c'est mon préféré? Voyons voir. Dites-moi un petit peu à chaque fois quels sont vos trucs préférés parmi ce que j'ai, par exemple. Moi, j'aime bien la balle de golf. Je l'avais laissée longtemps. Après, je sais pas, peut-être la boule de neige, voilà, pour identifier quelqu'un. Ou plutôt une sorte de tomate chic, plutôt, c'est mieux. Ensuite, les gars, donc les trucs comme ça. Voilà. Vas-y, je vous les passe vite fait comme ça, si vous voulez voir. Celui-là, je vais le mettre à la place d'un truc. Tu sais, moi, j'aime bien essayer de sympathiser avec des mecs, même pour faire une vidéo ensuite, où genre, je rencontre l'amour sur Fortnite Mobile et tout, tu vois. Et je crois que je vais le mettre, ce truc, parce que les gens, je sais pas, ils sont pas marrants, les gens, ils veulent me tuer absolument, même quand je suis sympa avec eux, que j'ai une arme, qu'ils voient que je les tue pas et tout, ils veulent me tuer, c'est schlag. Du coup, peut-être je mettrai ça, peut-être, je sais pas, ils comprendront mieux si je mets ça au sol, un cœur et tout. Voilà, les gars, bon, c'est pas les trucs les plus intéressants. Le truc que je trouve le plus stylé, c'est celui-là. Celui-là, je le trouve taqué beau, en fait. Llama de muertos. Espagnol. Ensuite, lequel est stylé? Celui-là, il est pas mal. Il est pas mal du tout, je trouve. Allez, voilà, on enchaîne, les gars, on enchaîne. Du coup, ensuite, on est ici. Ça, on s'en bat totalement les couilles, les gars, on va pas se mentir. Les trucs que je préfère, voilà, c'est ce que j'ai mis là. Le petit cœur pour essayer de sympathiser avec les gens. Le GG, parce qu'on est fair play, nous, on est comme ça. Même si derrière, j'insulte leur daron, le mec qui me tue, mais voilà, on est fair play. Celui-là et le top 1, hein, voilà. Maintenant, les danses, les gars, les danses, je sais que ça vous intéresse, ça, je sais que ça vous plaît. Donc, on est à la danse du Bambi, forcément. J'en ai pas acheté. Si, ouais, j'ai acheté des danses. Donc, en fait, les gars, donc j'ai oublié de vous préciser. Tout ce que vous allez voir, c'est les trucs du pass de combat. Sauf quelques trucs, du coup, que je vous montrerai à chaque fois. Je vous dirai ce que j'ai acheté. Donc, là, tout ça, normalement, c'est les trucs du pass de combat. Ouais. Ça, je l'ai acheté. Ça, c'est le tout premier truc que j'ai acheté. À l'époque, on m'avait même pas acheté le pass de combat encore. Personne, aucun abonné m'avait rien acheté. Et moi, avec les 200 V-Bucks, j'avais acheté le club des pieds. Voilà. C'était mon tout premier achat sur Fortnite Mobile. C'était. Tu vois, il y a un symbole. Pour moi, c'est important, tu vois. Une bonne suée, c'est la première danse que j'ai achetée. Je la kiffe, cette danse. Elle est pas mal, en vrai. Moi, je l'adore. Avec la petite musique, elle est pas mal. Donc ça aussi, c'est la première danse que j'ai achetée. Si on compte pas le clap des pieds. Tu déchires. PTDR, celle-là aussi, je l'ai achetée. 500 V-Bucks, elle m'a coûté, celle-là. Je l'aime bien. Celle-là, pour me foutre de la gueule des mecs que j'ai niqués, je l'adore. Vraiment, elle me régale. Ensuite, lâcher le micro, pas ouf. Je cours, j'aime bien. Ok, Esprimelo. Esprimelo toujours, ok. Du poignet. Après, je crois qu'il n'y en a pas d'autres que j'avais acheté ici. Après, c'est que des trucs du pass de combat. Beatdown, celle-là, elle était gratuite, les gars. Je pense qu'elle est plus disponible. Mais vous savez, c'était sur le truc Epic Games, il y avait un truc à faire. Je crois qu'il fallait valider son compte, un truc comme ça. Arrêtez de m'inviter, putain, je peux pas appuyer du coup. Ah! Voilà. Ondulante, flip félin. Et là-bas, flip félin, j'adore, ça fait un peu stylé. Genre après, quand il se lèche les poignets et tout. Ça le fait pas du tout avec ce skin-là, c'est pas du tout sexy, mais c'est pas grave. Allez, on enchaîne, les gars. Donc ça, c'est mes favoris, on s'en fout. Nouvelle emote, j'en ai pas. Donc là, ok, c'est la totale, on s'en fout. Impeccable, les gars, on avance, enfin. On arrive dans les trucs intéressants. Donc les traînées, déjà, les traînées, je kiffe. Je kiffe ma race sur les traînées. Donc il y a celle-là, la dernière, là, qui est obtenable avec le truc de... Tu sais, le truc de la Saint-Valentin, là. Je trouve vraiment que c'est la traînée la plus dégueulasse du jeu, les gars, mais vraiment. On a le PQ, évidemment, j'adore, c'est mon délire. On a la rune, j'aime bien, c'est stylé, mais celle que je trouve la plus stylée, c'est celle-là, c'est Volute. Elle est vachement stylée, je trouve, elle est stylée de ouf. L'autre que j'aime beaucoup, c'est celle-là. Fibre optique. Alors, mon gars, vu ma connexion, t'as bien capté que j'ai pas la fibre optique, moi, mais la traînée, elle est stylée, quand même. Ensuite, Bifon. Voilà, ça c'est ancien, Bifon. Voilà, les gars. Hop, on passe comme ça. Là, ça, c'est pas du tout mon délire, je crois que je l'ai jamais porté, c'est vraiment le lait. Hop. Les guirlandes. Glyph, en vrai, ça, il y a un petit truc, c'est stylé. C'est le truc du cube, vous avez vu. Les roquettes. Les flocons de neige. Et la dernière, flamme agressive. Et un petit truc. Ça, c'était au truc d'Halloween, ça. Ensuite, les gars, on va passer au planeur. Et là, parmi les planeurs, donc tout ce que j'ai, c'est que des trucs du pass de combat au gratuit. Sauf un seul, les gars. Du coup, on enchaîne comme ça et je vous montrerai. Donc, on a le pique-nique. Moi, c'est pas mon délire, ces planeurs comme ça. Hein. Moi, je les prends pas. Et j'aime bien les planeurs assez fins, tu vois. Du coup, je suis plutôt du genre à prendre des parapluies. Mais vu que vous savez, les gars, qu'il y a un skin, et ça, on le verra après, le seul skin du jeu que j'ai réellement acheté, eh ben, j'avais acheté son planeur. On y arrive bientôt. Et son planeur, il est taqué stylé de ouf. Et puis, vu que je l'ai moi-même acheté, enfin, pas avec mon argent, mais avec les V-Bucks qu'un abonné, du coup, m'avait acheté. Encore merci à toi, Alex. Eh ben, du coup, c'est mon planeur préféré. Vous allez le voir, on y arrive. Le traîneau tactique. Et voilà le planeur que j'ai acheté.
le Perce-Neige qui va avec l'ensemble Clan de la Neige. Donc vous allez voir après le skin que j'ai acheté. Si vous êtes abonné à la chaîne depuis longtemps, vous le savez. Il est stylé ce planeur, moi j'aime bien, c'est stylé. On va le redéployer. Brrr, c'est stylé, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ensuite, épine de l'hiver. Ça, je trouve, c'est des planeurs, c'est trop gros, gros. T'es cramé direct. En vrai, moi je trouve les meilleurs planeurs, c'est les petits, les voilà, les petits parapluies, les trucs fins qui sont pas trop visibles. Ah, le cœur volant. Le cœur volant, que d'ailleurs, c'est aussi l'abonné qui m'avait acheté mon tout premier passe de combat, donc Imperion TV, sa chaîne YouTube. C'est lui qui m'a acheté, qui m'avait envoyé celui-là, du coup. Et du coup, moi, je voulais dire, le Perce-Neige, il est parfait parce que, voilà, il est fin. Donc, il est pas trop visible non plus et il est stylé de ouf. Je l'ai acheté, moi, ça fait plaisir. La nuée noire, je l'ai gardé longtemps, il est stylé de ouf aussi, je trouve. La luge de fortune, ouais. La locomotive noire, le truc le plus cramé possible dans les airs, gros. T'es tellement cramé avec ça dans les airs. Tu peux pas rusher quelqu'un discrètement avec un truc pareil, c'est pas possible. Et le conquérant, c'est celui que j'avais gardé longtemps, au tout début, quand je venais d'avoir le pass de combat. On enchaîne maintenant, les gars, sur les pioches. Donc la pioche de base, hop, le pied de biche, les trucs comme ça, la hache abominable, merde, je voulais pas la mettre. Hache abominable, ok, c'est pas terrible, non, le jeu de mots. Hein. Ok, voilà, l'incendiaire, j'aime bien le bruit de l'incendiaire. J'aime bien le bruit, je sais pas, j'aime bien. L'HEV, je sais pas comment ça se dit, celui-là je l'aime beaucoup, c'était quand j'étais un Bambi, je la gardais tout le temps cette pioche, je l'adorais. La griffeuse que j'ai au maximum, évidemment, j'aime beaucoup. Hop. L'adjuratrice, c'est pas trop mon délire. Le sceptre de glace, c'est ça? Sceptre des glaces, ouais, il est vachement stylé, j'aime beaucoup celui-là, c'est celui que je garde actuellement. Et le pergélisol, voilà. Maintenant, les gars, les sacs à dos, que j'en ai beaucoup quand même. Donc, je crois que j'en ai acheté aucun. Non, ouais, j'en ai pas acheté. Donc, c'est les trucs de base, hein, du pass de combat. Le petit sac comme ça d'alchimiste. La couronne guerrière, les petits trucs comme ça, je les passe du tout parce qu'on me bat un peu le couille. Le shuriken de glace, ici, que j'ai acheté avec, du coup, le skin que vous verrez après. Le shuriken de glace qui est stylé, les gars. Je kiffe ma race avec le shuriken. Il va pas très bien, ce skin et tout. Mais voilà, il est stylé, mon shuriken de glace. Ensuite, Remus que j'adore en glace, comme ça, il est stylé de ouf, mon frère. Regarde-moi ça, magnifique, j'adore. Le cube de glace, vas-y, je l'ai pas fait. Celui-là, je l'adore, le coupin d'épices. Il était gratuit, c'était dans un événement aussi, je crois que c'était à Noël. Et il est génial, il est trop marrant, ce truc, genre... J'aime bien les réactions du petit bonhomme, le petit biscuit, là. J'aime bien ses réactions, elles sont bien, des fois. Oh, la cape, elle va bien, en vrai, à ce skin. vite fait. Ensuite, la bouée arc-en-ciel. Les petits trucs comme ça. Et là, on va rentrer vraiment dans les trucs que je préfère. Le sabre lupin. Le sabre, franchement, ça va en masse de skin. Celui-là, ça lui va pas hyper bien. Mais le sabre, je trouve, il va stacker beaucoup de skins, il est stylé. La cape, bon, elle était bien au début, maintenant elle est pas ouf. Comment ça s'appelle cette merde? E-L-I-M, ok, voilà. La cape des glaces, elle est stylée, c'est vrai qu'elle plaît à du monde et tout. Elle est originale, elle est pas mal, j'aime bien. Bien sûr, je l'ai pas débloqué à fond, il me reste encore une truc à avoir, celle-là. C'est pas encore débloqué à fond, ça. Le cadenas, assez stylé quand même. Le bouclier, je trouve qu'il lui va bien, le bouclier, à ce skin. Du coup, je l'avais mis. Il est pas mal. J'aime bien le bouclier. L'altimètre, je sais plus comment, sur quel skin on l'a déjà, les gars. Parce que je l'ai pas acheté, bien sûr. Dites-moi un petit peu sur quel skin on l'a, l'altimètre. Parce que je sais plus du tout. Et je sais pas, c'est mignon, c'est original. Et le module de précision, ça, c'était mon sac à dos fétiche quand j'étais un Bambi. Et maintenant, les frères, on va passer à ce qui vous intéresse le plus, je pense. Les skins, les gars, les skins. Donc moi, j'ai que des skins gratuits. Presque. Donc on a Trog, j'ai eu le truc là de la Saint-Valentin, tu sais. On a le Sergent Frijas. Trog, j'aime beaucoup avec son nouveau truc. Le Sergent Frijas, j'aime bien avec le truc du Père Noël comme ça, c'est mignon. Ok, on a elle, je l'adorais avant, quand j'avais pas les deux derniers passes de combat là. La Sauveteuse, elle a un bon boule, ça c'est bien. On a elle, avec, elle est un peu plus jolie avec ça, mais on va pas se mentir, les gars. Que ce soit comme ça, ou comme ça, elle est dégueulasse. Il est nul, ce skin, il est moche. Mais comme ça, elle est un peu plus jolie, quand même. Ensuite, les gars, mon skin fétiche, le seul skin que j'ai acheté, les gars. Le ninja du froid. Il est magnifique, il est beau, je l'adore. Il est magnifique. Tu vois, il y en a, ils le trouvent pas beau, ce skin et tout, mais moi, tu vois, quand je l'ai vu, j'ai craqué direct, j'étais obligé de l'acheter. C'était avec, du coup, les V-Bucks encore. De Alex, cet abonné, je t'aime, Alex, merci à toi.
Et du coup, voilà, avec son kunai, avec ses tongs, là, viril. Je l'adore, ce skin, je l'adore. Alors, c'est peut-être pas le plus joli, mais moi, perso, il a de la valeur pour moi. Pour moi, c'est mon préféré. Le marteau pilon, ça, c'est des trucs assez anciens. La grenouillère. La grenouillère, les gars, que je trouve, dans tous les cas, elle est absolument dégueulasse. Elle est vraiment... Il est ignoble, ce skin. Il est ignoble. Voilà, il est ignoble. C'est le pire de tous, j'ai l'impression. La vérité, c'est le pire skin de tous. Le fier destrier, j'aime bien, il est marrant celui-là. Le DJ Lama, cœur cubitacé, j'aime bien de dos le cœur cubitacé, il est assez stylé, je trouve. Ensuite, ok, ça vous connaissez. Et ensuite, on arrive à celui-là. L'assaillant alpin, celui-là, c'est aussi Alex qui me l'a acheté. C'est un skin payant, tu sais, mais genre, il te donne aussi 500 V-Bucks avec. Voilà, bon, il est pas terrible le skin, mais t'as les 500 V-Bucks avec. Et puis, de toute façon, c'est Alex qui me l'a acheté, c'est gratuit, les gars. Ça fait plaisir, encore 1000 bisous à toi, Alex. Je t'aime, tu régales, frérot. Ensuite, on a le Zénith que j'ai à fond, évidemment. Voilà, je l'ai vraiment rarement mis ce skin, c'est pas trop mon délire. Voilà, voilà. Le roi des glaces. Le roi des glaces, je le trouve taqué stylé. Je trouve que de tous les passes de combat, le skin le plus stylé qui nous est donné, c'est lui. C'est le roi des glaces, les gars, de loin. Il me reste du coup plus que le dernier truc à avoir. Plus qu'un seul, et je l'aurai en complet. Le nomade. Voilà, hein, le nomade que j'ai à fond, hein, vous en faites pas. Mais je le trouve plus stylé comme ça, moi. Il est plus fin. Lynx, Lynx, le skin le plus sexy, les gars, vous savez. Et ma vidéo top 1 avec le skin le plus sexy, où j'étais parti avec Lynx comme ça, là. Plus de 600 vues la vidéo, tout simplement parce que j'avais mis une putain de paire de cul devant... Dans la miniature, les gars, hey, c'est un truc de fou. Je mets des fesses en miniature, 600 vues direct, c'est incroyable. Mais en vrai, le top 1, il était stylé, il y avait du beau jeu quand même. Allez le voir si vous l'avez pas vu, les gars. Voilà, voilà, on approche de la fin. Lycan, que je trouve aussi stylé, ce skin quand il est sorti. Mais je l'ai assez rarement mis, malheureusement. Moi, je trouve le plus stylé, il est en blanc comme ça, avec le truc un peu jaune, j'aime bien. Voilà, voilà, Lycan, assez stylé. Le prisonnier que j'ai en entier, du coup. Mais je crois qu'il reste encore une phase. Hein. La phase, elle arrivera à la prochaine saison à skip, je crois. Le prisonnier que je trouve vraiment stylé aussi. Hein. Il est dans mon top des 3 skins préférés. Et bien, vous savez quoi? À la fin, là, je vais vous dire mes 3 skins préférés, les gars. Ensuite, l'exécuteur qui, franchement, ben, il était stylé de base quand on l'a eu. Mais maintenant, il est dégueulasse, en fait. Hein, contrairement aux autres skins qu'on a eu. La calamité, c'est pas trop mon kiff. Cible, le skin cible, c'est vraiment pas mon délire non plus. Et Ragnarok que j'avais gardé pendant longtemps, j'aime beaucoup. Là les gars, si je dois faire un top 3 de mes skins préférés, en premier c'est le ninja du froid. Je vous ai dit les gars, c'est mon coup de cœur, je l'aime. En deuxième, le roi des glaces, j'adore. Et en troisième, c'est là que ça va être un peu compliqué. J'hésite, le prisonnier tu vois, il est stylé, il est badass, il a du... Ouais non les gars, le prisonnier. J'hésitais tu vois entre Lycan et le prisonnier, mais le prisonnier il a des flammes qui sortent du corps et tout, c'est supérieur les gars, je préfère, voilà. Ninja du Froid en premier, en deuxième le roi des glaces qui est stylé quand même, et le prisonnier en troisième, stylé de ouf. Voilà les frères, on a fait le tour, vous avez vu que du coup ma box, quand même pour une box où j'ai mis 0€, elle est bien ma box, elle est bien. Du coup les gars, si vous avez votre pseudo ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et vous me dites quel est votre pseudo pour que je puisse vous accepter. Voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite vidéo présentation de box. Voilà, je sais que ça en intéresse quelques-uns. Moi, c'est pas mon délire de regarder les box des gens. Mais voilà, je vous l'ai fait. Ça vous fait du Fortnite mobile, ça fait plaisir les frères. Voilà, petite dédicace à Antoine qui m'invite. Du coup les gars, voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à partager la vidéo, à parler de la chaîne autour de vous les frères. Je vous adore. Mais si tu n'as pas le Snapchat de la chaîne, n'hésite pas à le rejoindre les gars, c'est assez important. J'essaierai, je vous rappelle, de faire du Fortnite mobile dès que le bug passera, dès que ce sera jouable. Là, le seul truc que je peux faire sans bugger sur Fortnite mobile, c'est aller dans le lobby. C'est tout ce que je peux faire, gros. Quand je suis in-game, c'est horrible. À la limite, le créatif, ça passe, mais limite, hein, c'est quand même bugué aussi. Allez, les gars, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de kiffer la vie, les frérots. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao. Ciao.